savoir très nombreux branchés devant vos postes de télévision pour suivre cette grande édition des journaux sur Face Télévision. Madame, messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information en bref. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président kényan. Une vingtaine de chefs d'État et des gouvernements ont fait le déplacement de Nairobi ce mardi 13 septembre pour la circonstance parmi les 60 000 spectateurs réunis dans le plus grand stade de la capitale kényan. William Ruto est devenu officiellement 5e président du Kenya lors d'une cérémonie d'investiture marquant la fin des semaines des controverses après une élection serrée mais pacifique dans ce pays d'Afrique de l'Est. Cette cérémonie met fin aux deux mandats du président sortant Uhuru Kenyatta qui ne s'était pas présenté à la récente élection présidentielle. Le premier des Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était arrivé lundi dans la soirée à Nairobi, capitale kényane, bien avant la cérémonie officielle de prestation des serments du successeur de Uhuru Kenyatta. Images et commentaires de la presse présidentielle. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir, au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'une heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de deux pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les deux hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. William Ruto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'État africains devront prendre part à cette cérémonie. Après l'étape de Kananga, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fixé le cap vers Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Il a été accueilli au bas de l'avion par le gouverneur de cette province, Mathias Kabeya, ainsi que toute la notabilité. Images et commentaires, Constance Chimanga. Aussitôt arrivé au Kasaï oriental, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a promis de prendre en main la question de la relance de la MIBA. Accueil au pied de l'avion par le gouverneur de province, le chef du gouvernement a eu droit aux honneurs que lui ont rendus les éléments de la police nationale congolaise avant de saluer les comités restreints d'accueil constitués notamment des autorités politico-administratives, coutumières et des officiers de l'armée rangés pour la circonstance. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport, le Premier ministre s'est vu contraint de marcher jusqu'à la place de la Poste pour communiquer avec cette population. Et c'est là, sous la pluie, signe de bénédiction. La présence du chef du gouvernement en Mbujimayi est porteuse d'espoir pour la population. Et c'est à la place de la Poste que l'hôte de marque s'est adressé à la population. La Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi
Kilomo Paki Beton. La lingipe, Opesa Yembote. Sokina Lobby Fachi Bey. Bien avant de boucler son adresse, le Premier ministre a présenté à la population le membre du gouvernement et le parlementaire qui l'ont accompagné dans cette mission. Signalons qu'en Bujimaï, le Premier ministre est venu non seulement palper du doigt les réalités de cette province, mais aussi et surtout se rendre compte de l'état d'avancement des différents projets en cours d'exécution dans cette partie de la... Chose à présent, dans 15 mois, les différents services intervenant dans le secteur de l'aviation seront regroupés au sein d'un seul siège. La pose de la première pierre pour la construction de l'immeuble de l'aviateur a eu lieu lundi dernier. C'est F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, représentant le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Suivez. L'érection de l'immeuble de l'aviateur est une réponse à l'une des exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile, dont Chérubin Okende, appliquant la révolution dans le secteur des transports impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de concrétiser en ce jour. De manière laborieuse donc, la République démocratique du Congo poursuit son chemin pour la mise en place d'un système efficace, crédible et durable de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que de la protection de l'environnement en assurant également la protection, la promotion de son industrie aéronautique. L'enjeu de l'heure pour le gouvernement de la République démocratique du Congo est de s'appuyer sur une approche prescriptive construite sur la conformité aux normes, quitte à s'engager diligemment vers une approche proactive basée sur la gestion de la performance. Après la pose de la première pierre, 15 mois plus tard, une bâtisse de 9 niveaux plus un rez-de-chaussée et 2 niveaux souterraines sortira de terre pour abriter tous les services de ce secteur depuis la nuit des temps locataires, dont l'autorité de l'aviation civile, la RVA, Congo Airways, Air Congo, Conseil médical de l'aviation, Conseil national de sécurité de l'aviation et autres. L'histoire retiendra que c'est par votre dynamisme et votre bravoure personnelle que ce qui paraissait impossible hier est devenu une réalité aujourd'hui. L'histoire retiendra également que l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'AACRDC dans les nouveaux bâtiments administratifs induira une forte amélioration de la qualité de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile dans notre pays. À noter que ces travaux sont financés par le gouvernement de la République. Réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, vient de sursoir l'exécution de son arrêté 099 du 3 septembre 2022 pour erreur, dont quelques membres non éligibles à la promotion se sont glissés. C'est ainsi qu'il a relancé les travaux d'identification à travers ce communiqué. Note circulaire numéro 002 à l'intention des secrétaires généraux, inspecteurs généraux, directeurs généraux de l'administration publique et autres catégories équivalentes concerne rappel de la circulaire 001/2022 relative à la poursuite du processus de titularisation et des promotions des agents de carrière des services publics de l'État. Mesdames et messieurs, en rapport avec l'objet ci-haut repris en concerne et conformément aux objectifs poursuivis par la réforme de l'administration publique, tant sur le plan de la modernisation que sur celui de la régularité de la carrière des agents des services publics de l'État tel qu'épinglé dans le cahier des charges de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'instruction vous a été donnée de procéder à toute fin utile à la transmission à mon cabinet de travail des listes actualisées en dur et en soft des agents de vos administrations respectives
éligibles à la titularisation au grade des directeurs, chefs des divisions et chefs des bureaux selon le modèle ci-annexé de tableau synoptique d'examen des différents dossiers. Il convient de vous informer que la phase en cours de la titularisation qui concerne les catégories des agents susvisés a connu des avancées significatives à la faveur des différentes listes envoyées en temps utile par un bon nombre d'administrations sectorielles que je félicite et encourage pour leur promptitude remarquable. Je voudrais par la même occasion interpeller toutes les administrations qui n'auront pas observé les instructions ci haut rappelées en leur demandant de les mettre sans délai à exécution pour permettre de passer à la phase suivante. Aussi, considérant les multiples et récurrentes sollicitations d'agents en termes d'avancement en grade, instruction nouvelle vous est prescrite de me transmettre dans un premier moment et avec diligence les listes des agents de collaboration et d'exécution de vos administrations respectives qui sont éligibles à la promotion. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de ma parfaite considération. Signé Jean. Faisons un tour en province. Direction la province de l'Ituri. La paix dans cette province se passe aussi à travers l'encadrement des jeunes, à travers les activités agro-pastorales et pisciculture organisées par la Fédération des entreprises et coopérations agricoles de cette province. Un plan triennal de l'agriculture a été présenté au gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboyankachama, ce mardi. C'était au cours d'une audience leur accordée. Les détails avec Junior Seleman. En suivant la ligne droite du gouvernement militaire, celle de créer l'espoir pour un lendemain meilleur, la Fédération des entreprises et coopératives agricoles de la province de l'Ituri s'engage à accompagner l'administration militaire dans sa politique d'encadrement de la jeunesse de cette province. L'objectif est de pousser certains jeunes à quitter les mouvements insurrectionnels. Cet accompagnement passe notamment par les activités agro-pastorales et piscicoles, a dit le coordonnateur de cette structure, le professeur Ruigo Baguma. Au sortir d'une audience ce mardi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyankachama Johnny. L'objectif global, premier, c'est accompagner l'État congolais, le gouvernement, dans la résolution du chômage, de la pauvreté, qui fait que nos jeunes gens sont rapidement emballés à cause de la misère, de la souffrance dans les groupes armés. Donc nous voulons, à travers cette plateforme, appuyer le gouvernement dans les secteurs de la production agricole, donc agriculture, élevage et pêche, et les secteurs de la transformation, l'agrobusiness, de sorte que lorsqu'on produit, qu'on puisse transformer, conserver. Et apprendre à ces jeunes gens, à travers les coopératives, de la base, groupement, chefferie, secteur, territoire, province, pour qu'on rentre, travailler, stabiliser la jeunesse, stabiliser les mamans, des œuvres pour produire la richesse en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage, assurer la sécurité alimentaire et générer les revenus pour le développement familial, et ainsi de suite. Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge de l'économie, finance et développement, Steve Senghida-Bachulu, a réaffirmé la détermination de l'autorité provinciale à appuyer ce genre de projets dans la lutte contre l'insécurité et absorber le chômage. Le gouvernement mettra toute une batterie d'opportunités à la disposition de ces structures qui sont venues en appui de sa politique agricole au niveau provincial. Souvenez-vous que l'agriculture est un secteur de compétences provinciales, bien sûr partagé avec le gouvernement central. L'autorité provinciale vient de rassurer le partenaire de son engagement à travailler étroitement avec la fédération. Notons que l'Ituri est une province à vocation agricole et pastorale. Le territoire de Djougou, qui a perdu sa réputation de grenier de la province suite à l'insécurité, peut espérer à présent redorer son blason et retrouver sa place d'antan. Quittons l'Est pour le Sud de la République démocratique du Congo. La Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social au Katanga ont rencontré ce mardi 13 septembre le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, et elles étaient venues exprimer leur indignation suite aux actes de vandalisme perpétrés par les jeunes du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, en sigle, au siège
de l'UDPS 6 avenue N'Djamena dans la commune de Lubumbashi. La délégation de l'UNAFEC était aussi conviée à cette rencontre. Suivez. Étant le répondant en ce qui concerne la sécurité, je ne peux pas admettre pareil agissement. C'est en ces termes que le ministre provincial de l'Intérieur s'est exprimé à la suite d'un saccage survenu ce lundi 12 septembre 2022 au siège des l'UDPS sur l'avenue N'Djamena dans la commune de Lubumbashi. Éric Mouta recevait à cette occasion les membres de la Ligue des femmes de ce parti victimes de ces actes de vandalisme. Mama Lucie Mujinga, présidente de la Ligue des femmes UDPS Lubumbashi. Nous nous sommes dit d'agir en responsable au lieu de répliquer par la violence. Nous sommes venus vous rencontrer, vous en tant que ministre provincial de l'Intérieur, pour trouver une solution à ce problème. De nombreux dégâts ont été enregistrés dans notre siège, qui est une maison d'habitation que l'UDPS loue. Qui va payer les pots cassés? Mon père de famille, Éric Mouta, s'est mis au-dessus de la mêlée et a tempéré les esprits. Je suis aussi membre d'un parti politique, mais en tant que ministre, je dois être au centre et privilégier l'intérêt commun. C'est ainsi que je ne peux pas admettre pareil comportement. Quand vous êtes venu m'exposer votre problème, à mon tour, j'en ferai rapport à ma hiérarchie. Bien avant, le ministre provincial de l'Intérieur recevait dans son cabinet de travail deux délégations, celle de l'UDPS et celle de l'UNAFEC. Entre de cet échange, trouver un modus vivendi et un terrain d'entente entre les deux partis politiques vivant régulièrement à couteau tiré à travers la ville de Lubumbashi. Sans parti pris, Éric Mouta leur a prodigué des sages conseils à fumer le calumet de la paix. De leur côté, les responsables de ces deux partis politiques ont opté pour mettre sur pied des mécanismes durables afin d'atténuer, si pas en finir, avec ce phénomène qui n'est pas de nature à valoriser ces deux formations politiques. Jean-Marie Chilumbu et Hervé Mwamba, respectivement fédéral AI de l'UDPS et président fédéral de l'UNAFEC, au terme de cet entretien. C'est pourquoi, pour tenter d'arranger ce problème, Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a instruit. Parce que là, il faut sincèrement dire que c'est une instruction qu'il nous a donnée, que nous puissions avoir un protocole d'accord. Parlons économie dans cette édition avec cette information en brève. 12 septembre 2012, 12 septembre 2022, 10 ans jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a adopté la ratification au plan comptable OADA. Jean-Claude Mbaki Siluzaku, bâtonnier au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et le professeur Roger Massamba, président de la commission nationale OADA-RDC, ont annoncé la tenue d'un colloque international sur les 10 ans de l'OADA en RDC. Ce colloque, selon eux, est une excellente opportunité offerte aux Congolais pour cerner l'application des 10 actes uniformes du traité du Port-Louis en République démocratique du Congo depuis son adhésion effective à l'OADA. Autre chose, à présent, le chef de bureau contentieux provincial de l'inspection des affaires sociales de Kinshasa, Jacques Manvwemba, a fait le point sur son échange du lundi 11 septembre dernier entre la chef des divisions urbaines affaires sociales de Kinshasa, Lydie Bakambinzita, et les agents sociaux de la ville-province de Kinshasa. Plus de précisions avec Grâce Daniel Denago. Pour redorer les blasons ternis des affaires sociaux dans la ville-province de Kinshasa, Lili Bakambinzita, la chef de la division urbaine des affaires sociaux de Kinshasa, a sensibilisé les agents sociaux. Lili Bakambi a indiqué que le travail des agents sociaux ne se fait pas correctement sur terrain car beaucoup ignorent leurs attributions. Pour autant, ils ont un rôle important à jouer vis-à-vis de la population. Il s'agit notamment de la protection de la population vulnérable. On écoute à ce sujet Jean-Jacques Manvwemba, le chef des bureaux contentieux provincial de Kinshasa. Après une évaluation, après des états des lieux, madame le chef de division a constaté qu'il y a eu un péril en termes, donc l'état ne se fait pas comme ses doigts. Alors c'est pourquoi madame Lili Bakambi, chef de division des affaires sociales, a initié ses rencontres marathon depuis le 3 mai 2022 jusqu'à la réunion d'aujourd'hui pour que nous puissions être performants et rendre des bons services publics à la population et redorer l'image des affaires sociales au niveau de la
ville-province de Kinshasa. C'est vraiment important. La première chose, au niveau déjà de la commune, nos services sociaux travaillent, ils font des enquêtes, et puis la division urbaine délivre des attestations d'indigence que toute une partie de la population ne connaît pas, et toute une partie de la population ignore même que les affaires sociaux ignorent des questions et délivrent des attestations d'indigence. Et puis, la population doit attendre de nous la protection du groupe de personnes vulnérables. Cette fois-ci, nous allons être efficaces avec les recadrages des attestations. Nous allons faire notre travail au niveau de la commune, au niveau des quartiers, et puis au niveau de la ville-province de Kinshasa, pour donner les meilleurs moyens pour que nous puissions protéger la population. C'était Jacques Manvemba, le chef des bureaux contentieux provincial de Kinshasa. Et pour boucler complètement cette édition, prenons cette information en brève. Les obsèques d'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, seule. Les chefs d'État et leurs épouses sont invités à assister à cette cérémonie qui aura lieu le 19 septembre prochain. Selon le communiqué rendu public, ces officiels conviés aux funérailles qui se rendront à Londres utiliseront des vols commerciaux et non des jets privés, ni des hélicoptères, encore moins des voitures officielles, mais des bus affrétés spécialement. Les autorités britanniques justifient cette décision en raison de la sécurité renforcée et des restrictions routières à Londres et dans tous les lieux officiels des funérailles d'État. Les anciens présidents et les chefs de gouvernement ne sont pas conviés. Tout est bien qui finit bien, madame, messieurs. Vous avez été très nombreux branchés pour nous suivre. Merci de nous avoir choisis et bonne suite des programmes sur notre chaîne et votre chaîne partenaire.